l'idée de faire quelque chose comme ça et commencer par le peintre Louis-Joseph Watteau en 1792. Et en fait, c'est commencé avec des œuvres qui étaient confisquées aux émigrés de la Révolution. Et les œuvres consistaient de beaucoup de Rubens, Van Dyck et Rembrandt. Moi, ça plane pour moi. Depuis 1850, les personnes de l'île ont commencé de donner leur peinture, etc. Et maintenant, le Palais des Beaux-Arts a 60 000 œuvres. Le bâtiment est finalement construit en 1892. Finalement, la construction de ce bâtiment est commencée en 1892. L'initiative était du maire Géry Legrand. Il replace l'ancien port de Manabi de une conception plus modeste qui se intergeait dans l'ancien Moyen-Âge. Moi, ça plane pour moi. Habitez-vous à Lille? Qu'est-ce que tu penses de la ville? J'adore l'île, c'est super. Quand tu es étudiante, tu fais la fête, tu fais plein de sorties au musée, il y a beaucoup de culture en fait. Il y a des découvertes récemment. Bon, récemment. Au niveau des restaurants, j'aime beaucoup tout ce qui est typique du Nord, donc les plats traditionnels. Et connaissez-vous de l'électricité? Connaissez-vous un peu le nom? Je sais que par exemple, au lieu de dire endivant chiffon, ça c'est un légume. Après, il y a plein de choses. Ça ne vient pas comme ça, mais il y a plein de choses. Bonjour, vous habitez à Lille? Oui. Et qu'est-ce que vous pensez le plus beau bâtiment ici? Le Palais des Beaux-Arts. D'accord. Et aimez-vous Lille? C'est très joli. D'accord. Et vous connaissez le Ch'ti? Non, pas trop. Bonjour, habitez-vous en Lille? Oui, on est juste là-bas derrière le parc. Ah, et aimez-vous? Oui. Et quelle est ton activité préférée? Tu connais-vous le musée Ch'ti? Ouais. Ouais, c'est très connu ici.
merci. C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm not crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that grows next to you. C'est pour la petite bourgeoisie. Tout le monde sait qu'à Lille, on parle le ch'ti. Pour vous montrer ce dialecte très spécial, on a préparé trois exemples. À demain et à des. Et beau et vélo. C'est un jour amusant dans une très belle ville. C'est une ville que vous devez certainement visiter. Au revoir!